Dans les cuisines du Turbo, Emmanuel Gonnet est au fourneau. Ami cuisinier, pour préparer le hareng mariné, il faut d'abord avoir le cœur bien accroché et savoir vider le poisson. Démonstration. On incise le derrière, on tire sur les ouïes, voilà, on tire dessus et après on retire le reste, si ça veut venir, par ici. De préférence un hareng de canot qui est beaucoup plus ferme et bien meilleur qu'un hareng de chalut qui est traîné trop longtemps derrière le bateau et ça, c'est pas une bonne qualité. Place ensuite à la marinade. Pour une douzaine de harengs, prévoyez 75 centilitres de vin blanc, autant de vinaigre, 2 gros oignons, 4 carottes et de quoi assaisonner. Et après, on le met à cuire. Voilà. La cuisson, ébullition 10 minutes. À cet instant, si tout va bien, l'odeur de la marinade envahit votre cuisine. Laissez cuire pendant 10 minutes. La recette du hareng mariné est simple et surtout rapide. Une fois cuite, on verse la marinade sur le hareng. 10 minutes de cuisson, four à 180 degrés. Et normalement, c'est prêt. Je conserve 15 jours, 3 semaines sans problème. Si c'est bien mariné, il n'y a pas de souci. Le hareng mariné est prêt. Au Turbo, pendant les 2 mois de la pêche au hareng, le poisson est servi en entrée. Pour tenir pendant les 2 jours de la fête, le chef a commandé près de 350 kg de hareng.